Alors me revoici, me revoilà pour le deuxième épisode du journal d'une co. Donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc dans cette vidéo là je vais aller très vite, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc excusez-moi si je parle très vite. Mais il faut absolument que je vous dise tout et voilà. Donc on va commencer. Alors comme vous le savez tous, je suis à La Rochelle. Je suis à la recherche d'un emploi et avec mon copain on s'est dit que vu qu'en ce moment les emplois ne courent pas les rues, ou ça court les rues mais beaucoup de gens courent après les rues je sais pas ce que beaucoup de gens courent après les emplois mais très peu sont pris, enfin bref voilà, avec mon copain on a décidé peut-être, c'est pas encore sûr mais c'est presque sûr mais pas encore, que j'allais refaire des études, donc donc je vais faire un CAPA, donc un CAPA dans le, en tant que, je vais y arriver, soigneuse d'équidés. Donc en fait c'est un peu, soigneuse d'équidés c'est être palefrenier tout simplement, ou groom. Donc voilà, donc rien n'est sûr encore parce qu'il faut que je trouve un apprentissage, parce que la formation c'est un apprentissage. Donc il faut que je trouve le lieu d'apprentissage, tout ça. Et il faut que je règle deux trois petits trucs aussi également, parce que moi j'habite au Mans et la formation est à Laval. Donc voilà. Donc c'est pas sûr pour le moment, mais c'est en vue que je refasse une formation en tant que soigneuse d'équidée. Donc voilà. Ensuite, donc là je parle de ma vie, après je parlerai... d'autres choses plus tard. Ensuite, avec mon copain, on a trouvé une maison qui nous convient parfaitement. Le propriétaire est tout à fait intéressé par nous, donc est très intéressé par notre... je sais pas si je peux dire candidature, mais voilà, enfin, on est le profil qui lui intéresse le plus. Et c'est une très belle maison en campagne. On a 5000 m² de terrain. 5000 m² de terrain avec le proprio, il y avait marqué, pour l'instant on l'a pas encore visité parce qu'il y a encore les locataires dedans, mais il nous a dit qu'il y avait deux trois box quoi, une grange, enfin etc, enfin c'était une super maison. Et bon, pour l'instant je n'ai pas de projet d'acheter un cheval, donc les box c'est pas qu'ils vont me servir à rien, mais parce qu'on pourra toujours mettre du bazar dedans. Mais c'est vrai que ça peut toujours être utile pour plus tard. Mais pour l'instant, je n'achèterai pas de cheval, c'est sûr. Mais voilà. Après, si le propriétaire est d'accord, parce que nous, on n'est que locataire, on n'est pas propriétaire. Si le propriétaire, lui, est d'accord, qu'on puisse acheter, que ce soit une biquette, un petit âne ou un petit Shetland, juste pour... pas pour tondre la pelouse, parce qu'en fait c'est même pas une pelouse, c'est une herbe qu'on trouve dans les champs quoi, c'est une herbe à vache. Donc en fait si le propriétaire est d'accord et si les finances suivent, parce que c'est quand même un investissement d'avoir un animal, hein, c'est pas seulement une tondeuse, si les finances suivent et si le propriétaire est d'accord, donc ça fait 3 fois que je le dis, et on pourra adopter un petit animal comme ça, donc soit une biquette, un petit âne ou un petit Shetland, c'est à voir. C'est vrai que le Shetland m'intéresse le plus, pas pour le monter bien sûr, hein. En aucun cas je monterai un Shetland, mais c'est vrai que si on adopte un petit Shetland, déjà il aura les box pour se couvrir en cas de tempête, enfin voilà, vous m'avez compris, hein. On aura les box, puis 5000 m² de terrain c'est juste assez pour un Shetland, parce que pour un cheval il faut 1 hectare, donc voilà, après ça dépend du type de cheval, parce que si le cheval vit en box, il a besoin d'un petit peu moins, mais voilà. Pour un cheval qui vit au pré, normalement c'est 1 hectare pour un cheval. Donc 5000 m² pour un petit Shetland, ça le ferait. Évidemment, comme je l'ai dit, pas pour le monter, mais pour... c'est vrai que j'aimerais bien lui apprendre des tours de cirque. Enfin voilà, rien n'est sûr pour le moment, je vous le redis encore une fois, mais c'est un projet qu'on se met dans le coin de notre tête. Et peut-être que ça se fera si, normalement, le propriétaire est d'accord et si les finances suivent. Donc voilà. Donc ensuite je vous ai parlé de la future maison, ah oui, et si tout se passe bien, on déménagera au mois de juin, donc voilà, c'est très très prochainement.
Ensuite, bébé Ilou, donc oui, il faut que je vous parle de bébé Ilou. Donc bébé Ilou va très très bien, elle grandit très très bien. On a été on a été à la mer avec elle, donc je vous mets des petites vidéos tout de suite. Elle s'est beaucoup amusée, comme vous l'avez vu, elle a été se baigner, elle avait eu un petit peu froid parce que quand elle a plongé dans l'eau, hop, elle s'est retournée, elle m'a regardée, ouh là, c'est froid. Mais après, ouais, franchement, elle était très contente, elle a beaucoup couru sur le sable, on s'est beaucoup promené, voilà. Donc elle grandit très bien, bon ça je vous l'ai dit. On a été voir le vétérinaire donc pour faire son vaccin, donc son rappel de vaccin, je sais plus trop de quoi, mais bon. Un vaccin. Et juste après, en fait, j'ai été la promener et les jardiniers de la mairie venaient tout juste de tondre la pelouse. Et vu qu'eux, ils n'ont pas de récupérateur pour récupérer la pelouse qu'ils viennent de tondre, ils la laissent par terre en gros. Et donc, en fait, Ilou a joué avec les petites bottes d'herbe qui étaient toutes fraîchement tondues. Et quand je suis rentrée à la maison, tout de suite après, elle m'a fait une grosse, grosse, grosse allergie. Un truc de malade, j'ai eu la peur de ma vie, je faisais que de chialer. J'ai appelé au moins 3 fois le véto. Et au bout de la 3e fois, j'ai fait tant pis, j'y vais. Parce qu'en fait, elle avait la gueule toute gonflée. Mais vraiment toute, toute gonflée. Je vais vous mettre des photos après. La gueule toute gonflée, le visage, ça allait partout. Elle avait les yeux tout gonflés. Les oreilles aussi, pareil, gonflées. Après, ça a commencé à attaquer le cou. Heureusement ça n'a pas attaqué les parties vitales, par exemple comme tout ce qui est la trachée, enfin vous me comprenez quoi, l'œsophage, tout ça, tout ce qui permet de respirer, ça n'a pas attaqué ici, c'était seulement sur la peau, heureusement, parce que j'ai eu vraiment très très peur. Donc je suis retournée chez le vétérinaire et il m'a dit que c'était sans doute l'herbe coupée, parce que c'est vrai que la première tonte, en fait, juste après l'hiver, c'est la plus coriace. Même moi, j'avais les yeux qui brûlaient. Donc, pour vous dire, parce que moi, je suis allée assez allergique à l'herbe, tout ce qui est graminée, tout ça. Donc, voilà, donc elle m'a fait une grosse allergie. Donc, je suis retournée voir le vétérinaire, comme je vous l'ai dit. Et il lui a fait une petite piqûre contre les allergies, en fait, pour... contre les allergies. Et du coup, elle a dégonflé. Elle a mis au moins, toute l'après-midi à dégonfler. J'ai été toujours auprès d'elle pour vraiment surveiller qu'elle respire bien, pour vraiment surveiller que tout allait bien, et elle s'en est remise. Mais j'ai eu très 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 peur, très 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 peur, c'était horrible. Donc je vous mets les photos tout de suite. Ça a vraiment gonflé. Mais bon, après tout s'est très bien passé et maintenant aujourd'hui elle va très 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 bien. Et donc en parlant de sa nouvelle chaîne, oui, j'ai créé sa nouvelle chaîne, donc sa nouvelle chaîne est ouverte, donc je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les aventures d'Ilou, car sur cette chaîne là je ne remettrai plus de vidéos d'Ilou, tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiens et que sur une vidéo qui est censée être pour l'équitation, et c'est pas terrible d'avoir un chien avec. Donc voilà, donc j'ai créé une nouvelle chaîne pour Ilou. Il y aura des vidéos sur le dressage, comment s'occuper d'un chien, comment nanana, enfin tout ce que vous voulez. Il y aura des vidéos sur elle, etc. etc. Donc je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre les aventures d'Ilou. Donc voilà. Ensuite, bon ça je vous l'ai dit, bébé Ilou à la mer, tana. Et oui, donc pour plus tard, en parlant de bébé Ilou, après ces 18 mois, parce que c'est seulement à partir de ces 18 mois,
Je compte vraiment, et ça c'est pas un projet, c'est vraiment, je veux vraiment le faire. Je veux vraiment l'inscrire à l'agility, donc je veux faire de l'agility avec elle. Donc l'agility, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, c'est avec votre chien, vous faites un parcours d'obstacles. Donc vous sautez des barres, le chien passe dans un tunnel, voilà, tout ce que vous voulez. Mais je compte faire de l'agility avec elle, parce que j'ai parlé avec mon éleveuse, donc celle qui m'a vendu Ilou, et elle m'a dit que c'était une très très bonne activité, parce que ça permet de renforcer les liens entre le chien et son maître. Ça permet d'avoir une activité avec son chien, ça permet de défouler son chien. Donc voilà, mais c'est seulement une activité qu'on peut pratiquer seulement après les 18 mois du chiot, quand il aura fini sa croissance, parce que si on pratique l'agility avant qu'il ait fini sa croissance, eh ben, il peut avoir des problèmes comme les chevaux en fait. Si on fait sauter un poulain, plus tard il aura des problèmes quoi, de croissance ou de osseuse quoi. Donc voilà. Donc seulement après ces 18 mois, je vais faire de l'agilité avec elle. Donc voilà, pour vous parler de Vélou, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ensuite, dans le journal d'UNCO, j'avais un autre projet. Parce qu'il y a 2-3 filles qui m'ont dit t'es inscrite à la boxe, à la Glossy Box. Et oui, je suis inscrite à la Glossy Box. Et je me suis dit que seulement dans le journal d'UNCO, je voulais vous demander si ça vous intéresserait que je vous présente. Attendez. Je vous présente ce qu'il y a dans la Glossy Box chaque mois. Donc vu que chaque mois je fais le journal d'UNCO, dans le journal d'UNCO, il y aura un court moment où je vais vous présenter la Glossy Box. Donc je ferai ça si seulement ça vous tente, si seulement ça vous intéresse. Donc laissez-moi un commentaire en me disant si ça vous intéresse ou pas d'avoir de connaître en fait la Glossy Box, de savoir chaque mois ce que je reçois, etc. etc. Donc ça c'est seulement, je le répète encore, si vous êtes intéressé, si ça n'intéresse pas grand monde. Je ne le ferai pas parce que c'est rien que je m'éternise sur un truc où ça n'intéresse personne. Donc voilà. Ensuite, oui, donc dans le domaine de l'équitation, maintenant ça va un peu changer pour moi. Donc pas beaucoup, mais un petit peu. Tout simplement parce que j'arrête pas de dire c'est trop chiant. Parce qu'en ce moment, je monte une voie par semaine, donc le samedi. Mais vu que en fait le samedi c'est. Pardon ? C'est le week-end où mon homme peut se reposer. C'est le seul moment où il peut. J'en ai marre de dire C'est le seul moment où il peut se reposer. On a décidé ensemble qu'en fait je vais monter. Arrête de dire Je vais monter une semaine sur deux le mercredi. Donc en fait, une semaine je vais monter le samedi, une autre semaine le mercredi, une autre semaine le samedi, une autre semaine le mercredi, une semaine... Bon voilà, vous m'avez compris. Comme ça, une semaine sur deux, tout simplement pour qu'il ait un week-end pour se reposer. Parce que c'est vrai que venir tous les week-ends, enfin tous les samedis, se lever assez tôt pour me filmer, il adore ça, c'est pas ça le problème, mais c'est vrai que des fois il serait mieux dans le lit. Donc il m'a dit que si il... Arrête de dire quand je m'énerve là, je m'énerve. Si je montais toutes les 2 semaines le mercredi, il pourrait me filmer chaque semaine. Donc voilà, ça vous fait plus de vidéos pour vous. C'est surtout pour vous qu'on fait ça, sinon je monterai toujours le samedi. Mais c'est surtout pour vous qu'on fait ça, pour que vous ayez toutes les semaines une vidéo de ma reprise. Donc voilà. Ensuite. Oui, je vais changer au niveau de mes cours. J'ai envie de changer de chevaux, j'ai envie de varier. Vidoc est très très bien, c'est voilà. Je vais continuer à monter Vidoc, mais j'ai envie de changer. Parce qu'à mon niveau, c'est important de changer de chevaux. Donc je compte monter des chevaux que je n'ai jamais montés. Et je compte monter aussi, reprendre... Enfin, je vais en parler à ma mono, hein, c'est pas encore sûr à 100%, mais je compte reprendre, essayer encore Anaway et d'autres chevaux que je n'ai jamais montés comme Calamoon, Mystère, enfin voilà, tous ces chevaux-là que je n'ai pas encore testés pour vraiment avoir une autre expérience, on va dire, et varier, c'est ça le pire, non mais je parle pas français moi.
faut que je me calme. Je compte varier de chevaux en fonction des cours, mais je continuerai évidemment à monter Vidocq toujours, mais je vais plus varier en fait. À chaque cours, je ne vais pas monter Vidocq. Donc voilà. Voilà. Ensuite, l'année prochaine, donc ça c'est pas encore sûr à 100% encore, mais si tout va bien, je voudrais monter l'année prochaine deux fois par semaine au lieu de d'une fois par semaine. Pardon. Donc en fait au lieu de monter le samedi ou le mercredi, je me montais le mercredi et le samedi. Donc voilà, donc ça c'est encore rien de sûr, mais je pense vraiment faire ça. Parce que j'ai envie de progresser en équitation, j'ai envie d'aller un petit peu plus vite, parce que c'est vrai qu'une fois par semaine c'est bien, mais c'est pas assez. Enfin pour moi je trouve ça que c'est... Enfin je trouve que c'est pas assez. Donc j'ai envie de progresser vraiment, vraiment en équitation, et donc monter deux fois par semaine je pense que c'est très bien, donc voilà. Nanana. Ah oui, et ensuite... j'ai fait des nouveaux achats, donc je n'ai pas tout fini, j'ai pas tout fini, il me reste encore pas mal de choses à acheter, donc c'est pour ça que à la prochaine, au prochain épisode du journal d'une co, je vais vous présenter mes nouveaux achats. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, et voilà, normalement j'ai plus rien à dire. Ah si, si j'ai quelque chose à vous dire. Pour la caméra embarquée, donc la Camboxysis là qu'on met sur la bombe, ça va bientôt se faire. Là je suis en train de d'économiser en fait. Je suis en train d'économiser et je pense que ça va très bientôt se faire. Donc voilà, prochainement vous allez avoir des vidéos de moi à cheval, enfin la caméra sur moi et sur le cheval. Donc voilà, donc en fait oui, pour ceux qui me disaient oui, on a envie de te voir monter à cheval, on a envie de voir la vidéo de la caméra embarquée, mais on a aussi envie de voir comme d'habitude en fait la caméra normale quand c'est mon copain qui me filme. Oui bien sûr, je vais varier, en fait mon copain va me filmer en même temps que moi je filme, et en fait je vais faire des petites un moment, enfin dans une vidéo un moment vous serez avec moi sur le cheval. Un autre moment, vous serez avec mon copain pour voir l'intégralité du truc, etc., etc. Donc je vais vraiment varier les plans en fait, les différents plans. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Gros bisous.